les 6 heures. Et j'ai mon avion à prendre pour Ho Chi Minh. Bye Victoria. See you in Cambodia. Je quitte Melbourne, je suis vraiment content de retourner en Asie. Good morning, how are you? Very good, thanks. Du coup, le Vietnam, c'est ma première destination pour rentrer en Asie. Et j'aime tellement parce que c'est un pays très simple, les gens sont très sympas, et puis ça reste authentique. How are you? J'aime bien et j'adore revenir dans des endroits où je suis déjà revenu. Et notamment Ho Chi Minh, c'est la troisième fois que je reviens ici. Pour traverser, c'est un peu n'importe comment. En fait, c'est à tes risques et périls. Le gueule. Et oui, en fait, on peut se moquer des gens grands ici, c'est ça qui est drôle. Là, je crois que je me suis perdu dans un quartier, mais c'est sympa. Comme quoi, Ho Chi Minh, tu peux venir plusieurs fois, tu peux toujours te perdre en fait. Hey my friend, how are you? Doggy boy man. Good? It's good. Que mes deux amis se connaissent pas du tout. Je les fais jouer à Would You Ever? Tu préfères? C'est un des jeux qu'on a créé avec Alex. C'est ça que j'aime le plus dans un voyage, c'est de se retrouver et puis partager des choses entre cultures différentes. Yo, look good. Where we go now? Ice cream. And do you know the place? No. Only me, I know the place. It's crazy. Yes. Là, c'est le gros bordel. Il y a plein de gens partout. Pareil à Bangkok. C'est avec cette moto qu'il a traversé le Vietnam. Dis donc, jeune fille, on est un peu vieux de la route. So where we go now? I know. You don't know? You're a good driver. And you too, man. Bye, guys. Je connaissais pas du tout ce soir, et je crois que j'en ai fait un couple. En Asie, les lits sont généralement durs. Je pense que c'est bon pour le dos. Pour nous, Européens, ça t'explose le dos. Ouais. Pas du tout l'heure de pointe, on vient ici à 17h. Non mais c'est pour la merde. On est une heure pour faire 5 km en voiture. Alors la moto reste le meilleur moyen de se déplacer. Maintenant on se trouve un peu dans le quartier Hype de Ho Chi Minh, la mairie derrière nous. Et puis c'est la place historique. Aux alentours tu as beaucoup d'hôtels, c'est l'équivalent des Champs-Élysées. Look at those palm trees, damn! And you? Kuling. Kuling. And hi. Justine. Nice to meet you. Je préfère quand même aller plus dans la campagne où tu peux accueillir très facilement. Mais là, ils avaient envie de m'offrir un bout de gâteau. C'est ça, là, c'est différent. En Europe, on est super fermé. C'est vrai que je préfère vivre ici. Fort parce qu'il attrape les poissons avec le petit filet. Je sais pas du tout comment il fait.
c'est un marché populaire que pour les Vietnamiens. T'as le gros marché chinois qui est vraiment horrible. C'est celui où tous les taxis veulent t'emmener. I took for him around Ho Chi Minh City, the Chinatown and the War Museum. Si jamais tu veux découvrir ce marché, il est juste au pied de la Big Seto Financial Tower. Dans les années 1950, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que la France s'est vraiment retirée du Vietnam progressivement et que le pays a repris son indépendance. Enfin, bien sûr, en se divisant, mais on retrouve du coup à Saigon, donc Ho Chi Minh, donc ces édifices. Là, c'est la cathédrale de Notre-Dame de Saigon. Look at those palm trees. Damn. Et juste à côté, il y a la poste. De Ben Tan. Hey, c'est le pire marché. Parce que ici c'est très touristique et principalement que des Chinois. Hi. Hello. Hello. How are you? Good? I'm fine, thank you. Du coup, tu te fais agresser. Bienvenue à Ho Chi Minh, la ville des motobikes. En fait, qui est chauffé, on met des choses dedans, du poisson, du poulet, j'adore ça. Je quitte le Vietnam, là je pars pour Bangkok.